Eh bien, allons-y. Bonjour, bonjour, ceux qui sont sur site. Il y en a qui sont dans les couloirs, dans les halls, et avec les présentations, et puis tous ceux qui sont à distance, qui sont avec nous. Donc, pour ces journées portes ouvertes, on est en pleine période Parcoursup. Du coup, c'est toute cette période d'orientation, que l'on soit au bac, avant ou même après. Ça donne toute une zone d'orientation. On est heureux de vous accueillir. Et donc, venir découvrir l'ENCA, c'est venir découvrir donc l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications. C'est une école qui a un cœur de métier qui est publicité par les entreprises, donc avec une insertion record. Et puis, c'est une école qui est très engagée pour ses étudiants, très engagée avec une grande qualité, une proximité et un accompagnement, des services d'accompagnement très importants. Alors, l'école a décidé depuis quelques années de réellement voir l'expérience étudiante et donc de mettre l'humain au cœur de ses enseignements et de ses services et bien sûr aussi de ses technologies qu'il développe et donc de l'ingénierie. Première grande école publique d'ingénieurs généralistes en électronique. Alors, généraliste en électronique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait deux mots associés. Généraliste en électronique, parce que l'électronique, c'est vraiment la nouvelle science, la nouvelle discipline de l'après-guerre, de tout le développement des hautes technologies. C'est l'énergie et l'information associées. Et donc, c'est ce qui a permis le développement de l'informatique, etc. Donc, quand on fait de l'électronique, on fait aussi bien de l'intelligence artificielle que l'on fait de l'énergie, que l'on fait des télécoms ou que l'on vient dans tous les jouets, les jeux, les équipements que l'on peut avoir à la maison ou dans des systèmes industriels. Nous voilà donc dans une vaste possibilité que donne l'électronique, d'où l'aspect très généraliste, en fait, de cette discipline. On est en région parisienne, et donc depuis 1952, et vous pouvez voir qu'on fête donc cette année les 70 ans du diplôme d'ingénieur ENCA. On a bien sûr tous les labels qui sont absolument nécessaires. On est CTI depuis 70 ans. Et puis, on accueille aussi pas mal d'étudiants étrangers. Et donc, on a le label « Bienvenue en France ». De l'ensemble de ça, pour ceux qui sont à distance, vous qui êtes venus, vous le savez, nous sommes en région parisienne à environ 45 minutes en RER du centre de Paris. Environnement absolument agréable, puisque l'on n'est pas au centre-ville, comme on dit, de Paris, mais on a un environnement naturel très important avec base de loisirs, etc., ce qui nous permet à nos jeunes d'être des champions en aviron et de pouvoir s'entraîner plusieurs fois par semaine tout de suite là. Un grand campus aujourd'hui sur Cergy-Pontoise, à peu près 40 000 étudiants, donc une variété d'écoles d'ingénieurs, d'écoles en sciences sociales, bien sûr, l'université. À l'ENCA, on propose trois formations très axées ingénierie. Le diplôme d'ingénieur ENCA, donc, qui a ses 70 ans. Le diplôme d'ingénieur, mais par apprentissage, qui était l'un des premiers en France. Et un master recherche dans nos domaines, bien sûr, d'expertise. Alors, ces espaces, vous pouvez les découvrir sur site. Vous allez les découvrir aussi sur notre site internet, puisqu'on a une vision. Vous pouvez vous balader dans l'école en 3D. On va chercher à être ici, là encore, l'expérience étudiante 360 degrés. Bien sûr, de l'enseignement, évidemment. Un seul amphi. Un seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est beaucoup dans les autres salles. On a un seul amphi pour tous nos étudiants, c'est-à-dire qu'ils y passent quand même pas trop de temps ici. Et donc, de l'enseignement de proximité, et non pas de l'enseignement à 300 ou à 200 dans l'amphi. C'est ce qui est privilégié. On va avoir des espaces collaboratifs, on appelle un peu aujourd'hui des tiers-lieux, learning center, espace de conférence, mais aussi espace de prototypage. On va avoir, bien sûr, de la vie étudiante, très importante, on a une salle de fitness, studio de musique, etc. Plein d'espaces pour nos associations, un bel espace de soirée
que nos étudiants pilotent. Et puis, de l'expertise. Les plateformes technologiques, pour ceux qui sont là, vous allez pouvoir visiter sans doute la CR connectée, mais vous avez aussi la réalité virtuelle et augmentée, bien sûr les systèmes embarqués, qui est le cœur de métier, tout ce qui est autour de l'énergie, la dépollution des réseaux électriques, et puis bien sûr tous des instruments de mesure, en particulier électromagnétiques. On est en électronique, évidemment. Alors, les quelques chiffres pour donner des idées. Ces chiffres sont des moyennes. On a donc une école qu'on voit de proximité, où on a une grande proximité étudiants-enseignants, puisqu'on a des promos à peu près de 240. Des promos qui vont osciller dans ces zones-là. Aujourd'hui, plus de 8000 étudiants ingénieurs NCA. 8000 ingénieurs NCA, ce sont les alumni. Ils sont présents ici. Vous pouvez aller les rencontrer. On est très proche de nos alumni et ils nous apportent beaucoup. Beaucoup aux étudiants, bien sûr. Un taux d'emploi, je vous l'ai dit, qui est de toute façon record. On ne peut guère faire beaucoup mieux. Et des emplois qui permettent aussi de partir à l'étranger, si on veut. C'est un métier ingénieur qui s'exporte. On peut être dans tous les continents. Et puis aujourd'hui, depuis 5, 6, 7, 8 ans même, je dirais, se sont développés énormément l'entrepreneuriat. Alors, pour monter sa start-up ou simplement pour connaître l'entrepreneuriat et l'ensemble de la démarche. Et donc, il y a des statuts étudiants-entrepreneurs assez prisés par nos étudiants ou simplement le développement de ses propres idées dans des projets. Donc, une formation assez large, un coût, vous le connaissez, une école publique, un coût donc réduit au minimum. Alors, ce sont des études qui sont particulièrement personnalisées quand on rentre en école d'ingénieur, où l'on va avoir, comme vous le voyez, un développement vers la réussite de l'étudiant et de chacun des étudiants qui rentrent dans cette école. On a plus de 50% d'heures encadrées, qui sont à 12 étudiants. Je vous disais qu'on n'est pas tellement... On ne passe pas beaucoup de temps sur cet amphi. On a aussi développé tout ce qui est des cursus pluriels. On va être ingénieur, le diplôme d'ingénieur, c'est le principal, mais on peut être ingénieur et avoir des parcours certifiants, international, manager, recherche, leadership, entrepreneur, donc qui viennent complémenter son diplôme. Ou bien sûr, le double diplôme, où là, on va soit à l'étranger, soit en France, pour avoir deux diplômes, et c'est légèrement plus long. Et puis, comme je le disais, les services d'accompagnement. On est très, très centré sur nos étudiants. Ça va être aussi bien sur de l'aménagement d'étudiants. Ça va être aussi bien sur du social, sur la réussite, sur le bien-être, sur l'international, avec un accompagnement important, et du conseil de l'entreprise, avec du mentorat, et là aussi du conseil, pas seulement des catalogues en ligne, mais bien du conseil personnalisé. On peut rencontrer, avoir un rendez-vous avec ses enseignants ou ceux qui s'en occupent. Et puis, bien sûr, une valorisation importante de l'initiative étudiante, puisqu'être ingénieur, c'est de toute façon être ingénieur-manager. Ingénieur, ça veut dire ingénieur-manager. Donc, il faut le mettre bien dans la profession. Une formation initiale, donc, avec les entrants. Je ne sais pas d'où viennent ceux qui sont ici, mais vous pouvez donc soit les classes prépa, le classique, on va dire, concours central, concours art et métier, suivant le type de prépa. Et puis, une entrée aussi avec des parcours, des cursus de Bac plus 2, Bac plus 3, qui viennent donc de l'université, DUT, ça peut être BTS, ça peut être aussi des licences, ça peut bien sûr être des diplômes étrangers, suivant d'où on vient. Vous voyez ici donc une proportion qui se partage, une diversité de nos étudiants entrants. Je vous l'avais annoncé, il y a donc un ingénieur par apprentissage où il y a une cinquantaine de places qui sont réservées avec donc principalement des DUT aujourd'hui, des BTS aussi, mais des personnes qui viennent de prépa ou qui peuvent venir derrière. Vous aurez une présentation spécifiquement sur l'apprentissage et n'hésitez pas à aller voir le stand d'apprentissage pour ceux qui sont là. Du programme, qu'est-ce que l'on fait en pratique ici pour faire cette électronique et pour être un expert? Ça repose évidemment sur la physique et les maths.
puisqu'on a dit énergie, information. Donc on a cet aspect physique, maths, l'électronique, aspect analogique, aspect numérique, mais bien sûr, après va se venir tout ce qui va vers l'expertise, le signal, les télécoms, tout ce qui est autour de l'informatique, la programmation, et bien sûr l'embarqué, l'automatique, le contrôle, de la transformation d'énergie. Pour tout système, il faut quand même lui amener un peu de carburant, et puis des apports en sciences sociales, tournés vers le management, et bien sûr les langues. Alors l'anglais, obligatoire, et puis toute une partie qui est personnalisable, avec du projet à tous les semestres, des choix entre des majeurs et mineurs en deuxième année, qui permet d'aller plus vers du signal ou du télécom, ou peut-être plus de l'analogique, de l'énergie. Donc ça permet déjà de se positionner, mais ce n'est pas imposé pour passer en troisième année, où il y a une spécialité complète. En deuxième année, on a aussi des choix d'options, on voit qu'on a pas mal de variétés. Sur les langues, c'est deux langues chez nous obligatoires, une troisième possible. Et en troisième année, c'est la spécialisation totale, où là, les groupes, on retrouve des groupes de 24 ou moins d'étudiants tout le semestre. Et bien sûr, vous connaissez l'école d'ingénieur, il y a toujours un projet de fin d'études assez important. Alors, les domaines, je ne vais peut-être pas tous les lire, mais c'est tout azimut sur tous les systèmes électroniques. Ça va de l'audio à tout ce qui est autour de l'image, mais surtout tout ce qui est embarqué. Aujourd'hui, là, on voit les drones, qui sont des choses assez pratiques à pouvoir utiliser aussi chez nous. Et vous allez pouvoir visiter dans la rue un ensemble d'étudiants qui vous présentent leurs projets et des enseignants qui sont là aussi pour vous parler de ces expertises et de ces réalisations de nos étudiants. Alors, ce sont des études sur 3 ans. Je crois que je vais apprendre rien à personne. 3 années, donc distribuées en semestre, on travaille en semestre. La première année, il y a un stage possible de 2 mois. Donc, on voit que c'est une année plutôt pleine, assez dense du côté scientifique. Possibilité de partir à l'étranger pendant ces 2 mois de stage uniquement. Par contre, on arrive en deuxième année. C'est là que toute l'ouverture arrive. Je vous disais, 50% de personnalisation. On peut partir pendant ce semestre, un semestre à l'étranger, ou on peut partir en stage. Donc nous voilà ouverts. Et là, le stage, c'est 4 mois, il y a même presque 5 mois possibles durant l'été. Alors c'est à partir du mois de mai. Donc on a un certain nombre de mois possibles pendant situés sur l'été. On arrive ensuite en troisième année. Et là, la troisième année, donc un semestre à l'école, le semestre 9, le premier semestre, comme je le disais, en spécialisation. Et puis, on part ensuite. On peut être à l'étranger pendant ce semestre-là. On peut partir pour un double diplôme. Et donc, on part sur 1 an, 10 mois, enfin, un peu plus qu'1 an, quand on fait un double diplôme, en France ou à l'étranger, d'ailleurs. Et puis, on peut, bien sûr, faire que son stage, donc le projet de fin d'études, à l'étranger, qui va jusqu'à 6 mois. Donc, on peut, dès la fin de première année, partir à l'étranger, j'ai envie de dire, ou se balader dans toute la France, pour rechercher des entreprises et des milieux qui intéressent, des secteurs qui intéressent les étudiants. Ça leur permet d'avoir aussi pas mal de possibilités de découverte pour construire ce projet professionnel qui finalement se construit petit à petit durant ces années. Alors, je voulais quand même faire part, puisque c'est quand même des particularités, du contrat d'études. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'étudiants qui sont dans une situation de handicap, qui sont dans une situation semi-professionnelle, sportif, mais aussi artiste et autres. Ça peut être entrepreneur, par exemple. Et donc, possibilité d'adapter la formation sur 4 ans pour permettre, justement, s'adapter au rythme des particularités. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître pour en voir les possibilités. Ces spécialités, puisqu'on vient ici, généralement, pour plonger vers ce monde professionnel. Alors là, je vous laisse lire les mots, mais ça va d'automatique électronique industrielle. On doit avoir tout ce qu'est l'électronique pour le vivant, pour le médical, pour la partie biologique. On a tout ce qui est embarqué, puisque c'est l'Internet of Things, c'est l'avionique, c'est le spatial, où on va embarquer, évidemment,
c'est le logiciel. On a l'association aussi de la mécanique, ce qu'on appelle la mécatronique, association de la mécanique et de l'électronique, qui intéresse pas mal de monde. Par exemple, la robotique, souvent, on a cette association-là pour donner une idée. Tout ce qui est bien sûr aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, vous en entendez sans doute assez parler, le traitement de cette information, qu'elle soit audio, image, texte et autres, et puis tout ce qui est les systèmes communicants. Donc on a, ça va être les antennes, tous les aspects de communication dans l'air, de façon lointaine, satellite, radar, etc., ou alors de façon dans un même système. Je n'ai pas dû parler des réseaux et des télécoms, là aussi, dans tout l'aspect réseau, sécurité des réseaux et télécommunications, codage, compression et autres. Vous voyez l'aspect généraliste de l'électronique qui s'exprime ici. Alors, pour les doubles diplômes, si vous êtes intéressés, là aussi, venez nous en parler. Peut-être plutôt du côté de la recherche, plutôt du côté du nucléaire, ou, bien sûr, plutôt du côté du management. On a évidemment pas mal d'étudiants qui font ces doubles diplômes avec Dauphine, avec Audencia. On a pas mal de monde à Audencia, Grenoble ou Nice. En plus, on peut balader en France. Et à l'étranger. Alors, on est particulièrement connu pour avoir énormément d'accords internationaux. Notre objectif pour nos étudiants, ce n'est pas qu'ils partent à 40 ou à 20 au même endroit. Bien au contraire, c'est qu'ils partent, en fait, seuls, à deux des fois, pour pouvoir se plonger dans ce milieu international. C'est une vraie expérience. C'est des fois le grand saut pour beaucoup, mais c'est une expérience riche. Ils reviennent tous enthousiasmés de ces séjours à l'étranger. 30 doubles diplômes à l'étranger, à peu près dans tous les continents. Donc, si vous rêvez du Japon, c'est l'endroit où il faut venir. Des grands noms aussi, ça me permettra de parler aussi, on a deux laboratoires de recherche. Donc, vous avez ici des enseignants à 100%, et puis des enseignants-chercheurs, où il y a, puisque tout l'enseignement est basé évidemment sur de la haute technologie et donc des apports scientifiques importants. On a deux laboratoires de recherche qui vont pouvoir collaborer, entre autres avec ces universités-là ou ces organismes-là. Je vois qu'il n'y a pas le CNRS qui est là, mais on a un laboratoire donc aussi CNRS. Ils supportent les domaines de compétences que l'on a, qui ont été représentés dans les spécialités. La vie associative, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'étudiants qui étaient là aussi pour vous montrer toutes leurs initiatives, que ce soit le TEDx, que ce soit le hackathon, qui viennent juste de savoir lieu. Il y a 15 jours, c'était le hackathon. La semaine dernière, c'était le TEDx. On va avoir au mois de mars aussi des événements vers les collégiens. On a eu une LAN, je crois, dans les 2-3 semaines qui viennent de se passer, etc. etc. Donc, une richesse de la vie étudiante qui, malgré le Covid, a bien sûr pris un peu... a eu un peu de mal, mais qui repart vraiment très, très bien. Je les remercie parce qu'ils sont vraiment fabuleux, ces jeunes. Une junior NCA, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et puis, alors, les voilà. Le bureau des élèves, bien sûr, le bureau des arts, le bureau des sports, le bureau de la solidarité. Il y en a certains qui partent, donc on a NCA Asie, et il y en a qui partent aussi pendant l'été faire des projets humanitaires. Et le bureau des techniques, avec la Coupe de France de robots, etc., etc., ce type d'activité. C'est eux qui font aussi l'hackathon, justement, il y a une semaine. On a des champions d'aviron, comme vous pouvez le voir, puisqu'ils peuvent aller en plus s'entraîner régulièrement. Alors, ces secteurs d'activité, ben, vous les avez perçus, je pense, à travers les expertises qui sont là. L'intérêt de l'électronique, c'est que l'on peut aller travailler tout azimut, tout aussi bien en finance, puisqu'on fait de là le traitement de l'information en finance. La marraine de promotion de cette année vient d'ailleurs et dans la finance et permet de travailler sur la circularité, l'économie circulaire, pour pouvoir réimplanter des grands systèmes médicaux. Il faut une connaissance technique, il faut une connaissance appliquée
en finance ou en management généralement. Des secteurs d'activité majeurs, les transports toujours, mais beaucoup de choses aussi sur le médical et sur tous les domaines transverses. Les employeurs, là, je crois qu'ils ont mis ici les top employeurs, donc vous pouvez les retrouver ici, on retrouve les Safran, les Thales, mais aussi les Capgemini, les Altran, qui sont des entreprises donc, qui ont pignon sur rue et emploient donc, des très grands groupes ici, évidemment. Les plus petits ne peuvent pas apparaître dans les tops. Hein. C'est difficile d'employer beaucoup de monde quand on est petit, mais ils ont aussi tout un ensemble, une tyriade de petites entreprises ou moyennes entreprises qui nous sont, avec lesquelles on est partenaire. Alors voilà, je vais arrêter là-dessus. On a des dirigeants d'entreprises qui nous suivent et qui sont, on a donc, par exemple, Bertrand Combaluzier, le président de notre CA actuellement. Les autres aussi sont cités puisqu'ils sont très proches de l'école. De Vialet, donc cofondateur de Vialet, par exemple. Beaucoup de start-upers, des start-upers qui sont engagés. On a mis ici ceux qui étaient relativement récents, qu'on fait leurs entreprises récentes, engagés aujourd'hui beaucoup sur la transition numérique et surtout la transition environnementale que l'on doit soutenir par nos implications en ingénierie. On peut les remercier, l'ensemble de ces jeunes qui se jettent dans l'entrepreneuriat avec des idées qui sont vraiment au service du développement durable. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère pouvoir tous encore vous accueillir à l'école, ceux qui sont à distance, et puis pour ceux qui sont ici, bonne visite. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comment trouver les stages en fait ? C'est l'école ? Alors, l'école a, comme vous l'avez vu, un nombre de partenaires très important qui nous abreuve de stages. Donc, on a un nombre de propositions de stages très important. Donc, les entreprises, il y a un forum entreprise qui est au mois de novembre. Il y a un forum d'ailleurs qui organise les alumni 15 jours avant pour bien caler un petit peu aussi les CV. Et donc leur faire aussi découvrir un certain nombre d'entreprises. Ils font du meeting à quelques-uns, du speed meeting, c'est ça. Catalogue, énormément de d'annonces qui nous arrivent aussi par des alumni ou par des personnes qui ont déjà pris nos étudiants. Donc du 1 en 1, pas seulement les catalogues des grandes entreprises. Ensuite, on a visite d'entreprise. Les entreprises viennent chez nous, font des conférences pour présenter leur entreprise et les stages. Ensuite, nous, on a toute une autre partie qui est l'accompagnement. Accompagnement interview, CV en français, CV en anglais, relecture par des alumni, par exemple, qui font de la relecture de CV, etc. Donc, on a l'ensemble de la panel. Notre objectif, c'est accompagner l'étudiant pour qu'il trouve un stage. Notre objectif est son autonomie. C'est qu'il ait les moyens, les conditions pour pouvoir se présenter le mieux possible à un employeur. En aucun lieu, on va imposer un stage à un étudiant. Donc même en période Covid, il n'y a pas eu de souci pour trouver des stages ? Non, nous n'avons pas eu de problème pour trouver des stages. Il y a eu évidemment des stages qui étaient à distance. Beaucoup de stages, enfin, suivant les périodes, puisque on a entendu beaucoup de stages qui étaient à distance, surtout sur le premier confinement. Mais les stages, les étudiants qui étaient en stage, leurs stages n'ont pas été arrêtés. Très, très minoritaire pour ceux qui ont été arrêtés pendant les confinements. Et j'en suis passé en distance. On a eu, en fait, ceux qui n'avaient pas trouvé des stages au premier confinement, qui n'avaient pas encore trouvé quand le premier confinement est arrivé, ont eu un décalage, puisqu'il y a eu deux, trois mois où en fait les entreprises ont arrêté même de sortir les propositions de stage. Donc ils ont eu un décalage, ceux-là. Ceux qui étaient en stage, ça allait. Ceux qui n'avaient pas encore de stage ont eu ce décalage, mais ils ont retrouvé ensuite. Septembre, c'est reparti. Et après, le Covid ou pas, il n'y a pas eu,
Il n'y a pas de différence aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation de faire un stage à l'étranger ? Si. Si, c'est une obligation. Donc, il y a une obligation de faire un stage à l'étranger. Alors, avec le Covid, on a eu la période où il y a eu l'année la plus touchée, j'ai envie de dire, parce que l'expérience internationale peut se faire sur les 3 ans, comme vous l'avez vu. Alors, en première année, les 2 mois ne suffisent pas, hein, mais au moins sur les 2 dernières années, on peut cumuler le nombre de mois. Donc, on a eu une année qui était évidemment perturbée, puisque au moment du confinement, ils n'ont pas pu partir. Certains, donc, on a en fait élargi à ce moment-là la possibilité de stage à l'étranger. Certains se sont faits à distance. Et puis surtout, on a élargi les possibilités d'expérience, qui n'étaient pas un départ à l'étranger, mais un contact avec l'aspect multiculturel, les rapports en anglais, les soutenances en anglais, des ateliers en fait aussi qui se sont faits pour qu'ils aient quand même quelque chose de multiculturel. Et mis à part cette année-là, une seule promo, les autres partent. Oui. Bonjour, j'avais une question pour savoir, après la sortie d'un BTS ou d'un DUT, quelle est la prépa TS qu'on peut faire pour pouvoir entrer à l'école de l'UNCA ? Ma deuxième question, c'est pour pouvoir entrer à l'UNCA, comment ça se passe pour pouvoir faire de l'alternance ? Alors, d'un point de vue, je vais juste te donner des généralités ici, hein, pas beaucoup, et puis je vais t'envoyer vers des personnes qui sont sur le stand d'apprentissage. Tu vas pouvoir parler en direct avec le directeur des études, avec des personnes qui s'occupent de l'apprentissage et qui vont pouvoir regarder ton cursus à toi. Tu vas pouvoir leur parler de quel cursus tu as et comment tu vas pouvoir rentrer le mieux possible à l'ENSEA. D'accord ? Pour personnaliser. Donc, on peut rentrer, bien sûr, avec un DUT ou un BTS. C'est le concours sur la banque d'épreuves que l'ENSEA pilote d'ailleurs pour une trentaine, 35 établissements. Donc on pilote cette banque d'épreuves. Les IUT BTS sont des IUT BTS qui sont tournés vers l'électronique, la mesure physique, des aspects électroniques sur lesquels on a donc les meilleures entrées, les meilleures possibilités pour entrer à l'ENSEA. Et on peut donc faire une prépa ATS, comme tu l'as dit, et là il y a un fort succès. De ces étudiants qui se préparent un peu plus, pour ceux qui ont fait un BTS en particulier, de faire un peu plus de scientifique, de maths, physique, et se préparer donc à cette entrée, à la réussite dans l'école. Donc je t'engage en fait à aller les voir, et c'est une très bonne solution hein, de faire cette prépa ATS, qui sont vraiment des leviers pour pouvoir réussir justement en école d'ingénieur. Une très belle réussite. On a une quarantaine d'élèves qui viennent de prépa ATS, qui réussissent très bien. D'autres questions ? Vous venez d'où ? Quel genre de... Première. Donc voilà, encore un peu de choses, mais c'est bien. Si on sait bien, vous avez des options à choisir, des choses comme ça. N'hésitez pas. Alors, vous voyez vu que pour le moment, nous, on n'est encore pas impacté directement en école d'ingénieur en première année, mais les premiers bacheliers sont déjà sortis, hein. Nouveau bac. Et puis, on va avoir les buts aussi, aujourd'hui, qui vont arriver. D'autres questions ? Oui ? Pour le TOEIC, vous accompagnez ? Oui. On propose le TOEIC, on propose 3 passages de TOEIC à nos étudiants, donc gratuits, puisqu'ils sont pris dans ces petits frais qu'on fait payer au tout début. Donc, ça, 3 passages de TOEIC possibles ici, dont le TOEIC pour. Qui est. Avec le tiers-temps, quelque chose comme ça, qui est appelé pour les personnes qui sont en situation de handicap, quelle qu'elle soit. Et donc, ils peuvent obtenir le TOEIC, enfin, avoir un temps plus long pour passer le TOEIC. Donc, on le fait dans l'école. 3 passages, que ce soit d'ailleurs en apprentissage ou en formation ou l'autre. Et après, eh bien, en cours d'anglais, il y a en fait des cours de niveau qui sont mis en place pour pouvoir, suivant les niveaux et suivant le besoin, TOEIC, oral, écrit, etc., les domaines de pouvoir l'accompagner. Donc, après, je crois qu'il y a évidemment des choses en ligne. Enfin, il y a un accompagnement de nos enseignants d'anglais qui est assez important sur le TOEIC. Il faut valider le diplôme, il faut avoir TOEIC. Oui. TOEIC combien ? TOEIC 785. On n'est pas à 800. C'est plus important, l'expérience.
J'ai le droit à un micro, je vous remercie. Super. J'avais quelques questions sur la démographie du concours ENSEA pour les DUT. Finalement, il y a une voie ATS et une voie DUT. Lors des oraux, les deux sont mixés, j'imagine ? Non, non, non. C'est bien deux voies séparées, c'est parce deux, que j'ai vu que dans l'inscription, dans bon j'avais deux, trois questions, je vous remercie. Ouais, les voies sont complètement séparées. Et sur la démographie, finalement, il y a ceux qui viennent DUT de méca, DUT d'électronique et puis DUT de... Et DUT de mesures physiques. Quel est le taux de réussite en mesures physiques, puisque le contenu est beaucoup plus vaste, mais beaucoup moins précis en IUT de mesures physiques, par exemple. Quel est votre taux de réussite sur ceux qui viennent de mesures physiques? Je n'aurai pas en tête là encore. Je vous enverrai vers le service concours dans la rue. Vous allez pouvoir avoir une réponse un peu plus précise. Il y a une très bonne réussite sur la mesure physique chez nous. Parce qu'en fait, l'électronique est vraiment un domaine de la physique. Il y a vraiment un support de physique scientifique assez important et de maths appliquées. Mais la mesure physique donc permet de bien réussir chez nous. Oui, très bien. J'avais donc une dernière question. C'est que jusqu'à peu près... Par exemple, on n'accueille pas de quelqu'un qui a fait un DUT mécanique. Donc, sur la banque d'épreuves BTS, IUT de NCA, vous avez des écoles qui sont plus mécaniques, comme les arts et métiers, par exemple, qui accueille aussi des IUT de voie cette voie-là. Donc, bien sûr, ceux qui ont fait un DUT mécanique vont aller plutôt vers une école qui propose quelque chose de mécanique. Merci pour vos réponses. J'avais rempli le début. Merci. Oui, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez comme cours de langue dans l'école? Alors, anglais, c'est sûr. Allemand, espagnol, deuxième langue qui sont les plus trustées, espagnol prenant la première place par rapport à l'allemand aujourd'hui. Et puis ensuite, on offre aussi plutôt en troisième langue une variété qui va dépendre de la demande de nos étudiants. Donc ça peut être japonais, russe. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a chinois, bien sûr. En ce moment, il n'y a pas beaucoup qui vont. Donc, il y a par exemple le russe. On a des accords avec donc des universités sur la Russie. Donc, ça permet à des étudiants généralement de pouvoir commencer une langue parce qu'ils ont envie de partir dans un pays. C'est plutôt la démarche dans la troisième langue. Donc, on est complètement débutant. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une première étape, de faire 6 mois, 1 an dans cette langue pour pouvoir, eh bien, quand on part en Russie ou au Japon, sans doute pas être fluente, hein, de pas être, mais au moins de pouvoir demander à manger et faire des premiers achats avec cette langue, sachant que tous les stages, de toute façon, se font en anglais. Hein. Quel que soit où on va, ça va être en anglais. Après, si on est très bon en espagnol, en portugais aussi, choses comme ça, ouais. Donc, on fait un peu en fonction des besoins aussi des élèves. Excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard. En deuxième année, il y a déjà des spécialisations? Alors, en deuxième année, oui. Alors, ce que l'on a en deuxième année, c'est plutôt un aspect de... Alors, je crois que je vais dans le bon sens cette fois-ci. Donc, en deuxième année, on a un aspect plutôt de choix de majeur-mineur. On différencie de la spécialisation de troisième année, puisque quelle que soit la majeure, alors la majeure que vous feriez, vous pouvez aller dans n'importe quelle des spécialisations de troisième année. Donc il n'y a pas en fait une spécialisation dès la deuxième année. Mais il y a des choix qui sont faits, ce qui permet de... alors, généralement, les grands choix qui sont là-dedans, c'est est-ce que vous allez plus vers du signal, des télécoms, donc des choses plus proches des maths appliquées, de l'informatique, ou plus proche de l'électronique analogique, de l'énergie, de la transformation de l'énergie, l'automatique. Mais, en fait, on retrouve en troisième année ensuite, si je vais dans le bon sens. Est-ce que je vais dans le bon sens? Non, je ne vais pas dans le bon sens. On retrouve ensuite, on peut se spécialiser dans n'importe quelle des manières. On peut aller en IA, même si on a fait plutôt transformation d'énergie en deuxième année. Salaire d'embauche en général des jeunes ingénieurs qui sortent de l'école? Alors, les salaires, le dernier chiffre que j'ai vu là, c'était 38 500, quelque chose comme ça. Mais c'est des chiffres qui fluctuent un peu, parce que ça dépend un peu de la population qui répond
aux enquêtes. Finalement, c'est environ 39 000 euros sur le. Et ça, c'est des salaires hors étrangers. J'insiste parce qu'il y a des écoles qui mettent tout compris. Et puis, si vous allez en Suisse ou si vous allez aux États-Unis, d'un coup, votre salaire, il éclate. Et quand on le transforme en euros, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on sépare, en fait, le salaire français et le salaire à l'international qui peut venir biaiser les chiffres favorablement. Donc, un salaire d'embauche qui est dans la médiane, qui correspond à la médiane, en fait, d'embauche des ingénieurs. Comment se déroulent les contrôles de connaissances, d'examen ? Comment ça se déroule ? Alors, on travaille en modules. Donc, sur un semestre, il y a 5 à 6 modules. Donc, ces modules se correspondent donc à des ECTS. Vous connaissez peut-être le système aujourd'hui, qui est européen. Donc, on obtient des crédits. Ces crédits, donc il en faut 30 par semestre. Donc ça veut dire s'il y a 5 modules, ça fait que 6. Alors on a plutôt ces 5 ou 6 modules suivant les semestres. Donc on est sur des modules de 5, environ 5 crédits. Dans ces crédits, en fait, vous avez une partie connaissance, comme vous l'avez dit, qui se fait sur table, j'ai envie de dire, simplement. Donc c'est l'examen classique, on va dire. Et puis il y a toujours une partie projet ou TP. Donc, une partie appliquée qui se fait en laboratoire, donc sur des TP définis ou sur du projet. Donc, une association de notes, une partie connaissance et une partie mise en situation qui permet de mieux aller vers les compétences. On appelle aujourd'hui tout ce qui est autour des compétences, permet de mieux évaluer tous les types de compétences. Donc, toujours un mixte. Et l'obtention du diplôme, elle dépend de comment des examens. Alors, je dirais que ça, c'est assez. Il y a l'aspect assez codifié, hein, puisque quand on est accrédité CTI, il y a des normes. Donc, il faut avoir 30 crédits par semestre, donc le fois 9, plus son PFE, donc le projet de fin d'études, qui est sur un semestre complet, qui permet d'avoir les 30 crédits d'un coup, j'ai envie de dire, par le projet. Important, mais en effet. Il y a quand même très, très peu de personnes. C'est moins de 1% qui n'a pas son PFE. Enfin, c'est très, très souvent un PFE, un PFE qui a des problèmes, c'est un PFE qui est souvent qui va être prolongé ou qui va être où il y a eu un problème très particulier. C'est quand même assez rare. Quels sont les objectifs des stages de deuxième, troisième, enfin, première peut-être aussi, première année ? Ouais, première, deuxième, troisième année. Le stage de première année est un stage de découverte de l'entreprise. C'est un stage de découverte de l'entreprise dans lequel on peut aussi accumuler d'autres types d'expériences si on fait de l'humanitaire, choses comme ça. Donc on est plutôt dans la découverte de l'entreprise. Les connaissances qu'on acquiert en première année d'école d'ingénieur sont de l'ordre quand même assez scientifique, technique déjà, hein, on fait bien sûr du technique, mais c'est la base de la technique. Donc certains arrivent à trouver quand même des stages hein, dans les aspects techniques. Mais de niveau technicien, ce qui est normal, puisque c'est l'entrée en matière. Le deuxième stage en deuxième année est un stage qui est beaucoup plus proche de l'ingénieur. C'est un stage qu'on appelle assistant d'ingénieur, puisque c'est le dernier et le projet de fin d'études. Là, on a quelqu'un qui a déjà fait 2 ans chez nous. La deuxième année, il y a du projet toute l'année, projet sur l'ensemble de l'année, une demi-journée en projet en permanence, plus d'autres projets dans d'autres matières, mais aussi un projet qui court sur toute l'année. On a un étudiant qui a, finalement, il lui manque que le dernier semestre, le semestre d'automne de troisième année, avec sa spécialité. Donc là, on a, sur les stages d'assistant ingénieur, on a vraiment des stages très intéressants. Et puis le 4 mois permet aussi. La formule 2 mois ne permet pas, la formule 4 mois permet vraiment de faire des stages intéressants. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on a en effet, j'ai dit qu'on donnait des crédits, ça permet d'avoir son diplôme. On met des notes, on a gardé des notes chez nous. On met des notes et ces notes, finalement, ne servent que quasiment à faire des classements, on va dire. Permet en effet, s'il y a trop de monde qui voudrait la même option, par exemple. Ceci dit, on a. Il faudrait demander au directeur des études ce qu'il en était cette année, parce que les chiffres varient toujours un peu chaque année.
Mais je crois qu'on a quasiment plus de 90% qui ont leur premier ou deuxième vœu. Sachant qu'il y en a certaines qui se croisent, justement. C'est pas, elles ne sont pas toutes... Il y a des domaines qui se croisent dans les options. Donc on a un très gros pourcentage qui ont leurs deux premiers. La raison, en fait, c'est principalement parce qu'on a aussi beaucoup d'élèves qui partent à l'étranger. Du coup, ça fait de la place. Donc, en fait, on n'est pas aussi serré que ça en troisième année. Ça nous a permis, alors, on aménage aussi le nombre d'étudiants en troisième année. Il peut y avoir des options qui vont être, entre guillemets, sous-effectifs, si je puis dire, puis d'autres qui vont être un peu plus grosses, pour pouvoir justement permettre que l'idée, c'est d'avoir que tous nos étudiants aient leur premier et deuxième vœu. C'est ça l'objectif. D'autres questions? Merci pour toutes ces précisions. Allez-y, n'hésitez pas. Ça peut, ce que vous avez en tête, c'est sûr qu'il y en a un autre qui se la pose aussi. Ben, je vous propose qu'on se retrouve. Je vais être dans la rue aussi. Vous avez donc les stands. Hein. N'hésitez vraiment pas à aller poser vos questions, mais juste à échanger. Des fois, on n'a pas des questions, mais on veut juste échanger. Donc, on donne sa situation. Voilà. Et puis, du coup, ça enchaîne sur la discussion. Et ben, félicitations pour ceux qui sont venus et qui sont encore au lycée. Ce n'est pas toujours facile de se décider à venir visiter les écoles, mais je crois que c'est vraiment une belle expérience pour vous. Bonne journée à tous.
Bonjour, on va commencer. Donc bienvenue, bienvenue à l'NCA. Dans la présentation que l'on va faire maintenant, on va surtout focaliser sur la formation qui est proposée en alternance. Donc j'imagine que vous avez peut-être déjà commencé à faire un petit peu le tour, ce qui vous permet déjà de prendre un peu connaissance de l'environnement, de l'ambiance, des salles, de tout ce qui est proposé. Donc, je suis Myriam Mariodot, je suis directrice déléguée aux formations et à la pédagogie. Je suis aussi enseignante et je fais partie d'une équipe de recherche. Et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée là de Rachid Zebouch, qui est le directeur des études de la formation en alternance, et de Patrice Legraverand, qui est responsable de formation au sein de l'INA, donc que tout le monde a entendu parler de l'INA, avec lequel nous sommes effectivement en collaboration pour une partie, pour une filière. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Voilà, donc je vous fais une petite présentation. N'hésitez pas à m'interrompre en cours de route. Hein, on n'est pas 150, donc on peut faire quelque chose d'assez dynamique. N'hésitez vraiment pas. Et de toute façon, on est là tous les trois pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient sur la partie académique ou sur la partie plus contrat avec le CFA. Voilà. Donc, une petite présentation générale de l'NCA. Nous fêtons cette année, toute l'année, ça c'est l'avantage, on n'a pas juste un jour d'anniversaire, toute cette année nous fêtons les 70 ans d'accréditation du diplôme d'ingénieur de l'NCA. Alors il ne s'agit pas du diplôme en alternance. Le diplôme en alternance, lui, qui est proposé aussi à l'NCA, il a été proposé à partir de 1998. Donc il n'a pas 70 ans, mais donc nous proposons ces deux diplômes pour les étudiants et pour les alternants. Nous avons également un master recherche qui est proposé à l'NCA, c'est-à-dire que nous proposons des cours en collaboration avec l'université pour délivrer un master aux étudiants qui sont intéressés par ça. Vous avez dû commencer à voir un petit peu, on l'a dit, l'environnement, les différentes salles. Donc vous avez ici un petit récapitulatif avec le fait qu'on a un nombre de salles, de laboratoires assez conséquents, avec du matériel très spécifique. Alors, du matériel assez général d'électronique dans des salles de TP traditionnelles et du matériel très spécifique, qu'on ne trouve pas forcément partout. Par exemple, comme ici, cette salle-là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller la voir déjà. Non ? Ben, allez-y. Enfin, allez-y. Oui, j'ai envie de vous inciter à y aller parce que c'est quand même une salle un peu particulière. Ça s'appelle une salle anéchoïque. C'est une salle dans laquelle on peut faire des mesures sans écho au niveau des ondes électromagnétiques. Donc il y a ça dans quelques entreprises qui ont besoin de faire ce genre de mesures-là. Par contre, au niveau des écoles, on ne trouve pas ça partout. Ça équivaut un peu, parce que ça vous parle peut-être plus, au niveau du son, ça équivaut à un studio dans lequel on évite tous les échos sonores. Ben là, on évite ici tous les échos électromagnétiques pour faire des mesures. Donc c'est une salle très spécifique, donc allez-y, elle est ouverte, hein. Donc vraiment, je vous invite à aller la voir. On a deux équipes de recherche sur le site, ça veut dire en conséquence qu'on a des enseignants qui sont un peu à la pointe de tous ces sujets qui participent aux enseignements, et qu'on a également des plateformes de recherche et développement sur des thèmes particuliers, des thèmes assez pointus, mais qui peuvent donner lieu à un moment ou à un autre à de la proposition de sujets en projet pour les élèves de l'NCA, que ce soit étudiants ou alternants. En quelques chiffres, voici un peu une présentation très rapide de l'école. On a aujourd'hui 8000 ingénieurs NCA diplômés, donc depuis les 70 ans où l'accréditation a été faite. On a à peu près 900 étudiants dans l'école. Au niveau de l'alternance, on a à peu près entre 135 et 150 alternants, donc un tiers dans chaque année, première, deuxième, troisième année, dans l'école. Le salaire médian à l'embauche, donc dès que vous sortez, que ce soit alternant ou étudiant, on a des enquêtes d'insertion qui nous montrent que le salaire est d'environ 38 à 39 kilos euros à l'embauche, juste après le diplôme. Bien évidemment, c'est un salaire qui va évoluer rapidement. Les ingénieurs aujourd'hui sont particulièrement, l'ont toujours été, mais restent encore, très sollicité, on a besoin de vous, on a besoin des ingénieurs dans tous les domaines d'activité. Et donc, aujourd'hui, c'est un métier
dans lequel il y a assez peu de chômage, hein, donc, et pour lequel le salaire est et celui-ci, en tout cas, il peut évoluer assez vite en fonction des choix qui sont faits. Oui. Alors, je vous avouerai que je ne sais plus, je pense. Ouais. Voilà. C'est brut. Les étudiants qui passent le diplôme à l'ENSEA, étudiants ou alternants, ont tous l'obligation d'une expérience internationale et ont tous, du coup, alors obligation, ça peut faire un peu négatif. Moi, j'ai plutôt envie de parler d'opportunité, c'est-à-dire que tous les étudiants ont l'opportunité d'aller faire un séjour à l'international pendant leur scolarité, de façon à aller découvrir la formation à l'international. Donc c'est soit aller faire un programme académique dans une autre école qui est partenaire de l'ENSEA, soit faire un stage en lien avec son entreprise d'accueil à l'international. Donc c'est obligatoire pour tous. Au niveau de l'embauche, on avait commencé à en parler. On a au moins 80% des alternants diplômés qui restent dans leur entreprise d'accueil. Donc, c'est un facilitateur. Hein. Vous commencez en alternance et vous avez une occasion en or de continuer dans l'entreprise qui vous a accueilli. Et ça, c'est le cas pour une grande partie des alternants ingénieurs. Voilà. Bon, vous avez là le nombre de diplômés par an. Peu importe. Alors aujourd'hui, en termes de recrutement, ce qui vous intéresse probablement, donc il y a il y a 50 places ouvertes au recrutement. Les personnes qui peuvent candidater donc, sont tous ceux qui ont eu une formation en amont liée à l'électronique ou à l'informatique industrielle et qui sont en possession d'un diplôme tel que le DUT, le BTS, ou bien aussi, alors je vous ai mis en fait un petit peu, l'ordre dans lequel c'est mis ici correspond un peu au nombre, c'est un nombre décroissant de personnes, c'est-à-dire qu'on a majoritairement des étudiants qui ont eu un DUT, on a également des étudiants qui ont un BTS, ensuite quelques élèves qui sont passés par la licence et certains qui sont passés par les classes prépa et qui souhaitent faire une formation en alternance. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez tout ça, ces informations-là, vous les avez sur le site internet de l'école. Un dossier suivi d'un entretien avec les dates qui sont là. Lorsque vous êtes admis, l'action d'après est bien évidemment de chercher une entreprise d'accueil pour pouvoir commencer les cours en apprentissage. Donc le contrat d'apprentissage, est-ce que je peux ajouter une neuvième raison de choisir l'ENSEA, c'est que le contrat d'apprentissage, c'est un CDD. Et donc, les trois années où vous êtes en contrat d'apprentissage, vous êtes salarié et donc vous cotisez déjà trois années au niveau de votre retraite. Ça peut être important pour la suite. Donc, ces contrats, il faut les signer dans les trois mois qui précèdent le début de la formation. Donc, comme nous, on commence à partir du début septembre, il faut que les contrats soient signés à partir de début juin et jusqu'à fin novembre. Bon, comme on a une formation qui est longue, les contrats peuvent être encore signés jusqu'à fin décembre. Mais l'idéal, c'est vraiment pour être à plein dans la formation, c'est d'avoir un contrat avant le début des cours, avant début septembre. Oui ? À fin décembre, si l'étudiant n'a pas de contrat, eh bien, il doit quitter la formation. C'est pour ça qu'il est bon d'assurer un contrat dès le début. Bon, il quitte la formation, mais on lui conserve quand même le bénéfice du concours, c'est-à-dire qu'il peut revenir l'an prochain avec un contrat et faire la formation. Oui ? J'allais demander si à partir de quand on a notre réponse, après. Vous l'avez tout de suite après. Donc les points de motivation, c'est la semaine qui se termine le 22 avril et le résultat, vous l'aurez le 22 avril. Et on peut peut-être ajouter en termes de date, là j'ai oublié de le mettre, pour vous aider à trouver une entreprise, on organise ici un forum et également à l'INA. C'est quoi ce bordel ? Oui ?
les deux diplômes sont deux diplômes différents. Donc les deux diplômes sont reconnus par commission des titres, ils ont la même qualité, mais simplement ce n'est pas le même diplôme. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commencé en alternance ne pourra pas aller en formation initiale classique. Par contre, il arrive qu'on accepte un ou deux éléments de formation classique en apprentissage à l'issue de sa première année, s'il a validé sa première année dans le cycle classique. Oui. Oui. Non, puisque ce sont deux diplômes différents. Ce ne sont pas les mêmes cours. Dans certaines, les cours qui sont donnés aux alternants sont complètement décorrélés, différents des cours qui sont. On est dans les mêmes thématiques, donc les mêmes enseignants, les mêmes profs, les mêmes thématiques, mais on a deux formations qui fonctionnent en parallèle. Donc du coup, quand on a fait quelques mois d'un côté, on ne peut pas basculer automatiquement et simplement de l'autre. Oui. Quand on passe l'entretien de motivation, on doit déjà savoir dans quelle, si on veut aller en alternance ou en formation initiale. Quand vous faites cet entretien, c'est uniquement pour ceux qui veulent aller en apprentissage. Ce sont deux concours, c'est deux concours qui sont distincts. Au niveau de cet entretien de motivation, on vous demande de venir avec un CV et on discute avec vous sur votre CV, sur votre parcours. En fait, c'est comme si vous faisiez un recrutement au niveau d'une entreprise, voir si vous êtes motivé par l'alternance, si ça peut vous correspondre. Oui. Non, non, vous pouvez postuler dans les deux formations, passer les deux concours. Par exemple, imaginons que vous ayez des doutes sur le fait d'obtenir un contrat d'apprentissage. Vous pouvez très bien candidater sur les deux concours. Si vous êtes admis aux deux concours, si vous ne trouvez pas de contrat d'apprentissage, par exemple, on va dire début septembre, vous pouvez aller en formation initiale classique. Il y a une note de dossier. Bon, vous n'êtes pas jugé, ce n'est pas le bon terme, mais on tient compte de votre parcours. Oui. Ce n'est pas, pas un semestre étranger, c'est 8 semaines d'expérience internationale. Oui. Bon, l'idéal, c'est d'avoir 8 semaines dans la période qui a été libérée pour ceci. Donc nous, au niveau de la fin de la première année, on libère le mois de juin et le mois de juillet pour que vous fassiez ce séjour international. Au niveau du diplôme, l'exigence, c'est qu'en fin de parcours, vous ayez fait 8 semaines. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire 4 semaines en fin de première année, puis 4 semaines en fin de deuxième année. Et comment ça arrange avec l'entreprise ? Mais nous avons libéré 8 semaines à ce moment-là, donc l'entreprise, c'est dans le calendrier. Et donc si vous ne faites pas les 8 semaines lors de la première année, vous restituez 4 semaines à l'entreprise qui va vous restituer l'année d'après. Et les entreprises, au moment du contrat, enfin, les entreprises ont cette information dès le départ. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les formations d'ingénieurs ont besoin de cette expérience internationale. Donc, de toute façon, aujourd'hui, les entreprises savent que, d'une façon ou d'une autre, il y a nécessité de libérer l'alternant pour qu'il puisse partir faire son expérience à l'international. Donc voilà, c'est quelque chose qui est connu, qui s'organise et qui ne pose pas de problème. Oui. Si on a déjà passé le TOEIC, est-ce qu'il faudra le repasser ? Oui, l'obtention du score de 785 doit être obtenue dans l'école. Donc l'école vous fait passer le vrai TOEIC à un moment donné, en fin de première année. Et puis... on l'a déjà passé avec le DUT. Là, justement, il faut le repasser dans l'école. Disons, c'est assez juste, parce qu'en fait, comme il faut avoir une expérience de 8 semaines, si vous attendez la fin de troisième année, il faut qu'elle soit faite avant fin septembre. Donc après,
Imaginons que vous ayez des épreuves à passer à ce moment-là, ça peut justement être contraint par tout cela. Oui ? Bon, nous, en tant qu'école, on propose des summer programmes avec des universités ou des écoles partenaires. Votre entreprise peut vous offrir un stage dans une entreprise partenaire ou dans une autre entreprise. Voilà. Et au niveau des pays, ben, il faut que ce soit des pays sûrs. Donc au niveau de... Vous regardez sur le site du ministère des Affaires étrangères, il faut que le pays soit classé vert. Oui. Au niveau du summer program, vous avez des cours généralement d'informatique. Donc, les matinées, par exemple, du premier mois, puis deuxième mois, vous pouvez travailler dans un laboratoire. Ce sont des summer programs qui sont proposés et organisés avec le service des relations internationales de l'école, qui a des relations, on a des partenariats avec des établissements à l'étranger. Et donc, on vous propose un package déjà tout prêt, avec un thème de cours et puis après un projet qui se fait effectivement, comme dit M. Zeboudj, dans un laboratoire. Bien sûr, à cause des conditions sanitaires, par exemple cette année, on est très limité. Donc cette année, on propose uniquement deux summer programmes. Donc un summer programme à Barcelone et un summer programme dans les environs de Porto. On préfère rester au niveau européen tant qu'on est en situation de crise. Voilà, d'autres questions sur l'alternance ? Ou sur la filière audiovisuelle ?
C'est bon, tu m'entends, Christophe? Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Donc, tous ceux qui sont ici, il y en a pas mal qui sont dans les expositions. Et puis, bien sûr, à tous ceux qui sont à distance. Alors, je vais voir si ça, ça fonctionne. Donc, vous êtes venus ici pendant ces journées portes ouvertes pour venir donc nous rencontrer à la rencontre de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications. Tous les mots comptent. Et nous sommes ravis donc de vous avoir. Une école d'ingénieurs donc sur 3 ans qui, dont l'expertise donc en électronique est plébiscitée par nos partenaires, par les entreprises, donc le monde socio-économique, puisqu'il répond aujourd'hui à une demande, alors je dis aujourd'hui, mais depuis pas mal d'années, à la demande de la transition numérique, à la demande de la transition environnementale, à la demande de la transition sociétale aussi, sociale et sociétale. Donc on répond en fait par ce domaine d'application, par cette discipline, j'ai envie de dire plutôt, à un nombre de domaines d'application très très importants. L'école donc met un point d'honneur à avoir une qualité d'enseignement et un niveau d'enseignement important, exigeant, mais tout en ayant un engagement envers nos étudiants de réussite qui est à la mesure de cette exigence que l'on donne. L'humain est au cœur finalement de l'ingénierie, aussi bien, je dirais, dans notre façon d'aborder justement cet enseignement que dans la discipline d'ingénierie qui demande aujourd'hui, en effet, dans ces transitions de développement durable, une place donnée ou redonnée, je ne sais pas, à l'humain. Première grande école publique d'ingénieurs donc dans cette région parisienne, dans ce domaine de généraliste et électronique. Les deux mots sont juxtaposés de façon volontaire. Nous travaillons sur l'électronique de façon très générale. Électronique, c'est une partie énergie, c'est une partie qui est située avec des capteurs, donc qui vient chercher l'information dans le monde physique, qui est qui a besoin donc d'énergie, et puis qui va transiter vers l'information. Et c'est une transformation de l'information qui est le principe que l'on vient chercher avec l'électronique. L'électronique, évidemment, a donné la naissance à l'informatique. Donc c'est une discipline qui est ancienne aujourd'hui. Et donc on fête cette année les 70 ans du diplôme d'ingénieur NCA. Et donc ça fait 70 ans que l'école accompagne toutes les évolutions de l'électronique avec toutes les évolutions du numérique qui sont là aujourd'hui. Nous avons évidemment les labels depuis 70 ans, donc nous sommes labellisés ingénieurs CTI. Et puis, dans les plus récents, nous accueillons aussi des étudiants étrangers avec toute la mobilité internationale. Et donc, nous sommes labellisés « Bienvenue en France » sur la qualité, justement, de l'accueil et de l'accompagnement. Vous êtes ici, donc vous savez que Cergy se trouve dans le nord-ouest parisien, suffisamment près et suffisamment loin de Paris pour à la fois pouvoir y aller, mais aussi profiter d'un environnement assez exceptionnel, puisqu'on a base de loisirs et des étangs qui sont juste en proximité et qui permettent à nos jeunes de profiter, en particulier les équipes d'aviron, qui peuvent s'entraîner plusieurs fois par semaine super bien. Donc on a un domaine assez privilégié avec un campus aujourd'hui qui représente à peu près 40 000 étudiants sur la ville de Cergy, avec l'université, puis d'autres écoles d'ingénieurs, des écoles bien sûr aussi en sciences humaines et sociales, donc un paysage assez varié. 3 formations proposées uniquement à l'école, vous voyez qu'elle est très concentrée sur l'ingénierie, sur cette expertise. Diplôme d'ingénieur NCA, le diplôme d'ingénieur NCA par apprentissage, et puis un master en recherche dans les expertises, dans ces expertises. Alors, pour ceux qui visitent, vous allez pouvoir aller sur tous ces lieux, mais on privilégie donc une expérience étudiante, j'appelle à 360 degrés. Oui, on a des espaces d'enseignement. Ces espaces d'enseignement font en particulier grande place à des laboratoires d'enseignement équipés aussi bien en puissance qu'en électronologie qu'en numérique. Un seul amphi, un seul parce qu'en fait, on ne passe pas beaucoup de temps dans cet amphi. Beaucoup de temps, justement, dans le projet et dans les laboratoires d'enseignement. Alors, de l'enseignement, mais quand on est ingénieur,
on ne fait pas que de l'expertise, il y a aussi énormément de travail collaboratif, d'esprit critique qu'il faut développer, de relationnel, d'une qualité relationnelle. Des espaces donc aussi bien de learning center, d'espaces de conférences pour s'ouvrir, donc travailler en commun, et des espaces donc de prototypage pour pouvoir faire ses propres projets, développer ses propres projets encore en dehors des heures d'études. Des espaces après de vie étudiante, on a développé des espaces de fitness, studio de musique, etc. Pas mal d'espaces associatifs que vous allez pouvoir visiter aussi. Et puis un espace soirée qui permet à nos étudiants d'avoir pas mal d'initiatives pour pouvoir organiser des événements. Du côté de l'expertise, on va en parler un peu plus. Elle se caractérise finalement, on peut les voir se cristalliser avec ces 5 plateformes technologiques de recherche et développement où nos chercheurs travaillent dessus, mais aussi nos étudiants. Et puis, des entreprises sont invitées aussi à les utiliser. Alors, il y a de la réalité virtuelle et augmentée, des systèmes embarqués intelligents, qui est notre cœur de métier. Ça peut être sur l'énergie, on a une plateforme sur la dépollution des réseaux électriques, mais ça peut aussi aller vers des applicatifs du type serre collectée intelligente. Ceux qui sont là vont pouvoir aller, peuvent aller aussi la visiter. Donc, une serre peut faire pousser des vrais légumes et des vrais fruits, et sur lequel donc il y a un certain nombre de capteurs sur lesquels on va pouvoir venir faire des mesures à distance pour pouvoir mettre en réseau différents types de serres aussi. Et puis bien sûr, des espaces de mesure, en particulier électromagnétique, comme on le voit là, c'est sur les antennes, donc beaucoup d'espaces de mesure par rapport à nos métiers. Donc ces plateformes technologiques traduisent l'expertise de l'école. En quelques chiffres, les voici. On voit qu'on a une promotion qui est d'environ 240 étudiants par an, avec un certain nombre d'étudiants internationaux, et puis un taux d'emploi qui est exceptionnel de nos étudiants. On aurait deux fois plus d'ingénieurs, on les placerait tous en camp. Donc, un domaine d'insertion où il n'y a pas photo, une insertion extrême. Des partenaires entreprises, du coup, énormément présents, puisqu'ils ont besoin de ces ingénieurs. Tous nos diplômés ont cette expérience à l'international et s'est développé depuis pas mal d'années maintenant, l'étudiant entrepreneur. Je crois qu'il y en a un exemple dans la rue, là, que j'ai vu. Donc, ils développent déjà dans l'école leur projet. Ils vont ensuite, après, vers une start-up. Ils ne vont pas vers une start-up, ça va dépendre un peu de leur-même. Mais ils voient l'ensemble de la chaîne, comment développer un produit, trouver un marché, trouver un prix, trouver des clients, faire un prototype, le tester, faire du retour pour aller vraiment vers une innovation qui ait un impact. Le coût de la scolarité, de façon très, qui est très minimale, parce que nous sommes une école publique, et donc nous avons donc ces coûts, le coût de scolarité faible, le coût de la scolarité n'est pas à ce prix-là, évidemment. Le coût de la scolarité d'un étudiant chez nous est environ de 14 000 euros, mais les étudiants eux-mêmes ne payent que cette somme qui est affichée ici. Les études très personnalisées qui vont se traduire comment ? Un développement personnel et professionnel. C'est l'autonomie que l'on recherche chez nos étudiants, autonomie dans leurs expertises, autonomie dans leur choix. On voit qu'on a énormément d'heures encadrées à petits effectifs. L'école est vraiment met un point d'honneur à accompagner les étudiants, et les encadrements en petits groupes sont très importants. Donc peu de temps sur ces sièges d'amphi. On a développé aussi du cursus qu'on appelle pluriel. Non seulement on peut être ingénieur, c'est son diplôme, on vient chercher un diplôme ici, on vient se former sur un diplôme d'ingénieur, mais proposer des parcours certifiants que l'on choisit durant son parcours international, manager, recherche, leadership, entrepreneur, il y en a d'autres qui sont encore développés, pour pouvoir finalement se donner une autre coloration et se chercher ce projet professionnel individuellement. Des doubles diplômes, bien sûr aussi, qui vont
augmenté légèrement. Donc, quand on fait un double diplôme, on fait 3 ans plus 6 mois ou quelques mois pour avoir le diplôme d'ingénieur et le diplôme de l'autre université ou école, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Et puis, l'école est connue pour ses services d'accompagnement. Comme on l'a vu, c'est une école de proximité. Il y a une grande proximité entre les étudiants et leurs enseignants. Et ces services d'accompagnement, eh bien, c'est aussi bien l'aménagement des études, c'est aussi bien de l'aspect social, c'est sur la réussite de l'étudiant, le bien-être, l'international, l'entreprise, vers le stage, évidemment, vers le se présenter en entreprise, connaître ce milieu de l'entreprise, et puis tout ce qui est autour de l'initiative, puisque notre ingénieur, c'est un ingénieur manager par défaut, comme l'est tout ingénieur d'aujourd'hui. Alors, cette formation initiale pourrait y entrer deux grandes voies. Soit on fait prépa, MP, PC, PSI, PT, TSI, c'est le cadran avec le nombre de places que vous voyez, concours central ou concours arrêt métier. Et puis, une autre entrée qui est plutôt par le DUT, BTS, ça peut être aussi par la licence, hein, par le BUT bientôt, et donc BTS ou DUT, en passant ou pas par une classe prépa ATS, et qui donc sur lequel vous voyez on réserve quand même un nombre de places conséquent par rapport à un certain nombre d'écoles. Je vous l'ai dit déjà en entrée, nous avons un deuxième diplôme qui est le diplôme d'ingénieur NCA par apprentissage, dans lequel on a 50 places qui y sont réservées. On y vient donc avec un cursus Bac plus 2, qu'il soit DUT, qu'il soit BTS, voire même une classe prépa. On a quelques-uns qui viennent de classe prépa ou de licence, hein, qui entrent en apprentissage. Si vous avez donc besoin de plus d'informations là-dessus, n'hésitez surtout pas à aller sur les stands et à poser, à voir avec votre propre cursus comment, quelle est la meilleure façon d'entrer ici. Alors le programme, qu'est-ce qu'on y fait dans cette école? En pratique, évidemment, l'électronique appelle le fait qu'on fasse de la physique, pas de la mécanique, mais bien de la physique électromagnétique. Physique et ensuite l'électronique, analogique et numérique, des maths appliquées, signal télécom, la partie télécommunication, et puis le cœur de métier aussi qui est autour de l'informatique et de l'embarqué, donc l'aspect numérique que l'on vient embarquer sur les systèmes. Des aspects d'automatique et de contrôle pour toute la partie optimisation, pour la partie contrôle et optimisation. L'énergie, on n'oublie pas l'énergie puisque l'on regarde le système de façon complète, l'aspect généraliste. On vient voir son système sur l'ensemble de ses dispositifs, donc la transformation de l'énergie et donc la puissance à apporter. Et puis bien sûr du management, de l'ouverture sur des aspects entreprise et l'anglais obligatoire, comme on peut le penser. Ça, c'est un socle commun. À ce socle commun, on va ajouter une partie personnalisation dans le cursus même assez importante. C'est tout d'abord dans le projet. On l'a vu, le projet, c'est des groupes de 12 étudiants qui vont choisir donc, des projets, qui peuvent choisir des fois eux-mêmes ou qui sont présentés par les enseignants, des fois en accord avec des entreprises aussi. Et donc, le projet permet de se singulariser. Et puis, en deuxième année, des choix de majeurs et de mineurs qui permettent d'orienter un peu plus par rapport à ses goûts, soit par rapport à du signal, des aspects plus informatiques ou des aspects beaucoup plus analogiques et énergie. En deuxième année, on a aussi une option sur 80 heures. Donc, on voit qu'on a pas mal d'horaires qui sont personnalisables. Et puis, une deuxième langue, voire une troisième langue, suivant les envies. La dernière année, qui est donc le semestre 9, qui est la dernière année, la troisième année, se constitue d'un semestre qui est complètement personnalisable avec 8 grandes options que l'on verra après, et puis un projet de fin d'études entièrement fait, évidemment, en entreprise ou dans un laboratoire ou dans un organisme en France ou à l'étranger. Donc voilà la base de ce programme qui, du coup, permet de faire du projet un peu tout azimut sur tout ce qui est autour de l'énergie ou de l'information, du traitement de l'information dans tout type de système. Dans ce déroulement de ces études, on va pouvoir donc
non seulement faire du projet en école, mais le faire aussi en entreprise, avec des stages donc, à chaque année. La première année est constituée de 2 semestres assez denses du côté scientifique et toute l'introduction à l'électronique analogique, à l'électronique numérique et à l'embarqué. Le stage, vous le voyez, raccourci, hein, relativement court, puisqu'on a en fait 2 semestres pleins, et ce n'est pas avant la mi-juin que les étudiants sont libérés pour leur stage. Ça permet quand même de partir à l'étranger sur ce stage, et pas mal se choisissent donc d'aller se dépayser dans un des pays, soit en Europe, en ce moment plus l'Europe, hein, mais internationalement, sur tous les continents sinon. En deuxième année, donc, on retrouve un stage, cette fois-ci, vous voyez, un peu plus long, de 4 mois. Le premier semestre, les 2 semestres, le deuxième semestre est assez dense, et dès le mois de mai, en fait, aux vacances, hein, typiquement scolaires, le stage peut commencer. Donc, c'est fin avril, on va dire, suivant les années, ça ne tombe pas tout à fait à la même date. Donc, à partir de là, ils peuvent partir donc, en stage, souvent 4 mois, 4 mois et demi, souvent c'est possible. Et là, ça devient donc un stage assez important, fin de deuxième année, qui leur permet vraiment de travailler sur des projets typiques d'ingénieurs qui sont donc en entreprise. Là aussi, départ à l'étranger pour énormément de nos étudiants. Cette deuxième année a un semestre 8, le semestre de printemps, que l'on peut faire de façon académique à l'étranger aussi. Donc en deuxième année, on peut déjà partir soit en semestre académique, soit juste pour son stage, soit pour les deux. En troisième année, on va encore pouvoir internationaliser beaucoup plus. On peut aller faire entièrement le semestre, entièrement le projet de fin d'études, entièrement évidemment toute l'année, voire double diplôme à l'international, ce qui rallonge encore. Donc une troisième année qui devient, avec des choix très vastes, une spécialisation. On peut faire un double diplôme avec un aspect recherche pour celui qui serait tenté pour aller voir un peu quelles sont les méthodologies de la recherche. Et puis ce stage de 6 mois, c'est 4 à 6 mois, mais c'est 5 mois minimum. Et le 6 mois, vous savez que les stages, c'est le maximum autorisé en France, c'est stage de 6 mois. Très important, qui sont évidemment un levier important pour l'embauche après. On a à peu près. Alors, en apprentissage, c'est plus de 80% qui vont être embauchés dans la même entreprise, qui vont avoir une proposition. Hein. Sur le stage de PFE, on en a un peu moins qui restent dans la même entreprise. Les personnes souvent vont changer, mais il y a une proportion. Je crois qu'on a à peu près 80% qui ont trouvé leur emploi avant d'avoir même été diplômés. On diplôme en fait au 1er octobre, on va dire, et finalement, il y en a beaucoup qui ont déjà trouvé leur emploi au mois de septembre. Donc énormément de... une embauche relativement aisé pour le dire, si ce n'est facilité. Je voulais quand même en dire quelques mots sur ce contrat d'études pour des étudiants qui sont en situation de sportifs de haut niveau ou semi-professionnels, avec une pratique semi-professionnelle de la musique, par exemple, hein, ou d'autres choses, de la danse, etc. Ou alors une situation d'handicap qui le demanderait, mais aussi des étudiants entrepreneurs, c'est-à-dire qui ont une activité professionnelle déjà à côté, qui peuvent du coup aménager leurs études pour pouvoir avoir ce diplôme d'ingénieur en 4 ans. Et donc, c'est un contrat que l'on fait avec l'étudiant, donc ça se fait individuellement. Si vous êtes dans ce cas-là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir une demande, à venir nous rencontrer pour qu'on en parle de façon très individuelle, très individualisée comme parcours, comme aménagement. Alors, ces spécialisations de troisième année, on va y mettre des mots, ce qui permet d'entrer rapidement après sur l'insertion. Donc, on a l'électronique qui va être appliquée à différents domaines. On peut avoir les réseaux et télécoms. Donc, on voit aussi tout ce qui est autour des systèmes de communication. C'est là qu'on va, par exemple, travailler plus sur les antennes et la communication avec les satellites et autres. On a évidemment toute la partie intelligence artificielle, vous le connaissez aujourd'hui, qui est ce traitement numérique, avec tout type de signaux qui sont en entrée. La mécatronique, qui est l'association de la mécanique et de l'électronique, typiquement ce qu'on fait quand on dit qu'on fait de la robotique, où on a cette association de mécanique et d'électronique. Et il va falloir que je finisse
sans les slides. Ça y est. Le cœur de métier chez nous, c'est vrai que c'est l'électronique des systèmes embarqués. Très souvent, on embarque, donc on a une spécialité qui ne traite que de ça, j'ai envie de dire. L'informatique des systèmes, donc plus informatique. L'aspect, tout ce qui est autour de l'automatique, du contrôle, de l'optimisation, ça peut être pour de l'énergie, donc tout ce qui va être plus industriel, un grand domaine d'application. Et puis, l'électronique qui va être appliquée au domaine du vivant, c'est le médical, le biomédical, ou les aspects biologiques ou environnementaux. Et donc certains ont peut-être visité la serre connectée, qui les étudiants travaillent sur cette serre dans cette option. Voilà, ça donne ici un aperçu vraiment des domaines, des disciplines. Et donc, on va pouvoir après se compléter par des doubles diplômes, alors soit en nucléaire, soit dans des laboratoires de recherche, soit sur plutôt du management, on le voit ici. Ça, c'est en France. Et puis, on peut partir à l'étranger pour pouvoir donc encore plus avoir plus de possibilités. On a été assez connu sur le nombre d'accords que l'on a, assez impressionnant, 140 accords, vous avez vu le nombre d'étudiants que l'on a, 240 par promo, 30 doubles diplômes à l'étranger. Donc, vous voyez là derrière que notre stratégie n'est pas d'envoyer 20 élèves au même endroit ou 40 élèves au même endroit. Les élèves partent de façon individuelle, des fois à quelques-uns, mais ils sont en fait immergés dans le pays, et soit en académique ou dans une entreprise ou dans une université. Donc voilà la stratégie que l'on a, c'est plutôt de multiplier les accords et de permettre aux étudiants de partir dans le cursus qui les intéresse à l'étranger et dans une zone géographique qui les intéresse. Comme vous voyez, on est présent dans tous les continents. Des partenaires académiques importants qui nous permettent aussi non seulement d'envoyer nos étudiants, mais aussi de travailler du côté entre nos enseignants chercheurs, qui ont donc des échanges avec ces différentes instituts et universités. Il y en a que quelques-unes ici, il y en a encore d'autres, en particulier en Europe, dans tous les pays d'Europe. Et donc nous avons deux laboratoires de recherche, dont un qui est lié avec le CNRS, et qui vont donc travailler sur ces thématiques que l'on a vues en troisième année, sur l'ensemble des thématiques de troisième année. Une vie étudiante assez riche. Je crois que ceux qui sont ici ont pu le constater. Si je prends le mois de janvier, la semaine dernière, on était au TEDx, NCA. La semaine d'avant, il y avait un hackathon ici même, dans ces locaux, avec 80 étudiants donc, qui étaient là pendant 24 heures pour créer des prototypes sur la thématique du développement durable. Il y avait une LAN la semaine d'avant, donc un espace de jeu ouvert donc aux étudiants, avec tout type de jeux, des jeux de plateau, des jeux numériques évidemment, mais tout un ensemble de jeux. Donc des événements pilotés par nos étudiants, ouverts souvent sur le territoire, et donc qui leur permettent eh bien, de développer ces compétences d'initiative et de réaliser et d'avoir un impact sur les autres étudiants, mais aussi sur ce territoire de Cergy-Pontoise. Une junior entreprise aussi pour ceux que ça pourrait tenter. Alors, nos associations sont, vous voyez que ça couvre assez large. Tout ce qui est autour donc, du BDE, qui est donc dans la vie étudiante, le bureau des arts, le bureau des sports, le bureau de la solidarité, avec une association donc, tournée vers le Japon en particulier, l'ensemble de l'Asie, et puis une qui propose des actions humanitaires, soit localement, soit qui vont aussi pendant l'été en Afrique en particulier. Et un bureau des techniques qui sont présents aussi, très présents, coupe de robotique, etc., autour de l'aspect plus expertise technique. Vous les avez vus aussi, j'en ai parlé avec l'Hackathon, c'est eux qui l'organisaient. Les secteurs d'activité donc sur l'insertion vont être très vastes. On est assez présent, bien sûr, sur tous les niveaux du transport, quel qu'il soit, automobile, aéronautique, etc., ou ferroviaire aussi. Mais
On va être présent beaucoup sur l'Internet des objets aujourd'hui, donc la partie embarquée, surtout la partie télécom. Puis on peut voir que cela va assez large, puisqu'on retrouve aussi tous ces aspects d'activité financière et tout autour du commerce, les objets étant très techniques. Pour les vendre, il nous faut une base, un ingénieur commercial est assez bien recherché sur le marché du travail. Les entreprises, voici les top employeurs, en tout cas de l'école, des grands groupes, c'est eux qui, évidemment, en nombre, font exploser les chiffres, mais on a ensuite derrière tout un ensemble de PME et de PMI et de start-up aussi, donc qui emploient nos jeunes. Quelques noms de dirigeants qui sont très à l'écoute de nous et qui nous suivent, voire qui participent beaucoup. Bertrand Combaluzier, qui est le président du conseil d'administration de l'école, mais aussi donc, d'autres intervenants qui sont donc proches, les présidents de Nokia France, M. Boinon, M. Kamel, qui est le fondateur et le créateur de tous les systèmes d'enceintes très haut de gamme. Vous le connaissez peut-être, ils font, je vous les conseille. Et puis aussi à l'international, par exemple. Et puis on est très fiers de nos start-upers qui sont très engagés au niveau du développement durable et de cette transition environnementale et sociale. Et vous voyez ici, donc, on a mis un certain nombre, dont certains donc, qui sont sortis récemment, Théo Godard, Romain Sissi, par exemple, et qui travaillent donc, sur ces... Ouais, donc, on est très impressionnés par leur travail et par leurs initiatives et leurs ingéniosités aussi dans tous ces systèmes. Bravo à eux. Je vous remercie. On est, pour tous ceux qui sont là, vous allez pouvoir encore profiter pendant quelques temps de l'ensemble des démonstrations, mais aussi, surtout, du contact humain pour répondre à vos questions et pour échanger avec nos étudiants, nos enseignants qui sont là. Je suis disponible pour vos questions, pour ceux en tout cas qui sont dans la salle. Je remonte. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans la salle? Allez-y, n'hésitez pas, ou des remarques. Je vous propose c'est que nous on s'arrête là et puis je serai dans la rue là. Vous n'hésitez pas à m'interpeller ou à interpeller tous ceux qui sont là. Merci. Bonne journée. Merci.